OK, bon, là, cette vidéo-là va être un peu plus longue que ceux que je fais d'habitude, mais je pense avoir la peine de l'écouter. Ça fait tellement pas de sens que je pense avoir la peine de l'écouter. OK, au mois de juillet dernier, je me suis fait appeler par un représentant de Belle Mobilité qui m'a vendu un plan de 3 ans. Tu sais, j'avais ce téléphone-là à rabais, puis en tout cas, j'avais un super plan, là, comme il m'expliquait qu'il y en aurait beaucoup plus... pour mon enfant, fait que je suis embarqué, et entre autres, il disait que sur le téléphone, j'avais une remise postale de 100$, fait que, puis qu'il vous dit, vous avez juste à faire tout ce qu'ils vous disent de faire, à remplir ça, puis on va vous envoyer le 100$. Il disait que c'était pour prendre 8 semaines, et, fait que j'arrête pas des appelés pour, en tout cas, j'ai eu d'autres problèmes avec Belle, mais ça, peu importe. J'arrête pas des appeler pour avoir savoir où s'y en est rendu mon remboursement, parce que je sais que des fois c'est assez litigieux ces affaires-là de remboursement. Et puis la dernière fois que je lui ai envoyé un email, c'était celui-ci. Bonjour. Je vous contacte concernant le plan de remise postale de Belle concernant le téléphone très haut smartphone 600P. Je vous ai envoyé mes papiers début septembre 2007 et la dernière fois que je vous ai contacté, vous m'aviez dit que tout était en ordre et que je recevrais mon remboursement de 100$ dans les 2 semaines suivantes. Ça, c'était à la fin octobre. Nous sommes maintenant rendus presque à la mi-décembre et j'attends toujours ma remise postale. Êtes-vous déjà une mauvaise foi ou c'est un simple oubli? Jean-François Mercier. Et ils me répondent, Monsieur Mercier, votre chèque a été envoyé le 16 novembre à l'adresse suivante, montant 100$, merci. Alors, je lui réponds, c'est effectivement la bonne adresse, mais oh, comme c'est bizarre, je n'ai jamais reçu ce chèque. Jamais Post Canada n'a commis d'erreur pour m'envoyer des comptes, ils se sont toujours rendus sans problème, mais les chèques, ça semble être leur faiblesse. Alors, j'imagine bien sûr que pour faire toutes les milliers de vérifications qui s'imposent, il me faudra attendre encore plusieurs mois avant de recevoir mon 100$. Jean-François Mercier. Et là, la compagnie me réécrit plus. Mais bon, j'aurai jamais mon remboursement. Fait que j'ai écrit à Belle Mobilité pour leur faire part de la situation, que je ne recevais pas mon remboursement de 100$. Fait que tu remplis toute une fiche, tout, et je lui envoie ça. Je me suis inscrit pour un contrat de 3 ans après que votre représentant m'ait contacté. Il me vantait entre autres un 100$ de remise postale que j'obtiendrais facilement en postant moult preuves et à diverses conditions que j'ai effectivement remplies. Mais il semblerait que ça chie avec la compagnie de marbre qui s'occupe des remboursements postaux. Ça m'a l'air d'une joyeuse bande de bandits. Je vous fais donc suivre la dernière conversation courriel que j'ai eue avec eux. Puis j'envoie tout le fil de conversation. Et voici la réponse de Belle Mobilité. C'est extraordinaire. J'ai failli faire un ACV tellement j'étais en tabarnak quand j'ai reçu ça. Écoutez ça. Monsieur Mercier, merci de votre récent courriel. Mon nom est Timothy. Et à titre d'information, mon numéro d'employé est 665-74. Après vérification complète de votre courriel, je comprends votre mécontentement vis-à-vis cette situation. Par contre, le niveau de langage utilisé dans votre correspondance m'empêche de répondre de manière objective et adéquate à vos préoccupations. Je vous invite à visiter notre site Internet et à nous faire parvenir vos questions et commentaires en utilisant un niveau de langage acceptable et professionnel. Sur réception de votre réponse, je serai heureux de vous fournir toute l'information pertinente à votre situation. J'apprécie, M. Mercier, que vous ayez pris le temps de visiter notre site Web et vous remercie de faire affaire avec Bell. J'espère avoir répondu à vos questions et n'hésitez pas à nous contacter de nouveau si vous désirez plus de clarifications. Vous trouverez plus d'informations à l'adresse www.bell.ca et vous pouvez communiquer avec nous de nouveau au www.bell.ca/pour nous joindre. Sincère salutation, Timothy, service aux clients en ligne de Belle Mobilité. Voici ce que j'ai répondu à Belle Mobilité. Très chère Belle Mobilité, ma facture de ce mois-ci, 231,79. Ça tourne pas mal autour de ça à chaque mois, dépendant de mon utilisation. Ça a même déjà monté à 500$ par mois, mais c'est rare. Je le mentionne juste pour dire que je me considère comme un bon client de Belle Mobilité. J'ai déjà eu un loyer qui me coûtait moins cher que ça, on s'entend. Ultimement, je suis très facile à satisfaire comme client. Je veux simplement qu'on me donne ce qu'on m'a dit qu'on me donnerait pour que j'accepte de signer un contrat de 3 ans. Avec Belle Mobilité, je ne compte plus les heures que j'ai passées avec le service à la clientèle pour avoir la facturation qu'on avait dit qu'on me donnerait. Il a fallu que j'appelle pas loin de 20 fois avec tout ce que ça comporte de mise en attente, de perte de temps, à toujours expliquer les mêmes choses pour finalement obtenir gain de cause. C'est évident que ma patience est un peu émoussée et ma confiance ébranlée. Mais là, vous venez d'atteindre un niveau d'arrogance jamais égalé.
Vous refusez de me répondre parce que vous jugez que mon niveau de langage n'est pas adéquat et professionnel. Pour ma part, ce qui n'est pas adéquat et professionnel, c'est de ne pas répondre aux demandes légitimes de ses clients, de les obliger à se battre pour avoir ce que vous leur aviez promis et qu'ils aillent à s'humilier et à faire des pieds et des mains pour obtenir ce pourquoi ils payent des montants extravagants. Ça, pour moi, ce n'est pas adéquat et professionnel. Effectivement, mon niveau de langage a tendance à baisser quand j'ai l'impression que mon interlocuteur essaye de m'arnaquer. Votre service à la clientèle déploie des trésors d'incompétence et peut-être même de malhonnêteté pour me faire péter les plombs, et quand j'éclate, vous me reprochez mon ton colérique. C'est extraordinaire. Je m'excuse d'avoir utilisé le terme « compagnie de marde ». J'aurais dû plutôt utiliser un terme plus adéquat du genre « compagnie à la moralité discutable » ou « compagnie à très fort taux d'insatisfaction de sa clientèle ». Je vous ramène au reportage de l'émission « La facture » à Radio-Canada, où l'animateur Pierre Craig nous mettait en garde contre les remboursements postaux. Effectivement, il établissait lors de cette émission que c'est extrêmement difficile de se qualifier pour un remboursement postal à cause de toutes les technicalités qu'il faut remplir, et que même lorsque l'on remplissait tout comme il faut, le remboursement se faisait attendre indéfiniment. Seuls les plus persévérants finissaient par recevoir le remboursement, mais à la condition d'harceler la compagnie pour obtenir son dû. C'est ce que je voulais désigner en utilisant le terme « compagnie de marde ». Pour ce que j'ai à en dire, pour moi, Belle Mobilité s'inscrit très bien dans cette définition. Il semblerait que pour vous, le bon parler soit d'une importance primordiale. Permettez-moi de trouver ironique que vous vouliez m'obliger à vous parler dans une langue que vous jugez acceptable quand vous n'êtes même pas foutu d'appliquer les mêmes standards de qualité à la réception de mon téléphone cellulaire. Qu'est-ce que ça me donne de bien parler quand souvent les gens ne sont même pas capables de me comprendre tellement la réception est mauvaise? Et vous, Timothée, j'aimerais vous dire que je n'éprouve que du mépris à votre endroit, mais ce n'est pas vrai. J'ai aussi beaucoup de pitié. Ça me fait de la peine de voir quelqu'un se vendre à rabais à une grosse corporation sans âme et d'appliquer aveuglément les politiques qu'on lui ordonne et ainsi léser des honnêtes travailleurs qui ne veulent que recevoir ce que vous leur aviez promis au départ, le tout pour un maigre salaire de préposé au service à la clientèle. En ce sens-là, vous me rappelez mon chien, sans grande envergure et docile. Vous devriez voir toutes les bassesses qu'il est prêt à faire pour avoir son biscuit. Sauf que mon chien, lui, dans le processus, réussit à être sympathique. Évidemment, le 100$, j'ai fait une croix dessus. Hein? Non, je ne vais pas ramper devant vous pour 100$. De toute façon, juste le temps que j'ai passé à rédiger cette missive avec mon salaire horaire, je suis largement perdant. En fait, la raison pour laquelle j'ai rédigé cette lettre, c'est pour la diffuser au plus grand nombre. Je suis auteur et humoriste et je crois qu'il est de mon devoir d'informer les plus grands nombres sur le niveau d'arrogance et sur la stupidité de votre gestion bureaucratique pour leur éviter de vivre les mêmes désagréments que vous me faites vivre. Veuillez agréer l'expression de mon mépris le plus total. Jean-François Mercier.